Nous avons tous vécu et expérimenté comme étudiants l'absence d'espace de rangement et la grande difficulté à organiser notre casier scolaire. La situation ne s'est guère améliorée de nos jours. Avez-vous pensé que le manque de tablettes pouvait être le réel problème? Bien sûr, on peut dorénavant se procurer en magasin toutes sortes de tablettes amovibles à petit prix. Malheureusement, ces tablettes bon marché requièrent souvent un assemblage. Elles s'affaissent sous le poids des nombreux livres écartables et ne durent parfois que quelques jours. Pour éviter de gaspiller de l'argent dans des tablettes bon marché, il existe maintenant une solution pratique et économique. Voici la tablette pliable Pratico pour casier. Cette tablette brevetée permet une excellente optimisation de l'espace disponible et est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. La tablette Pratico en acier recouvert d'un plastique fusionné offre le compromis entre la durabilité, la solidité et l'esthétisme. Sa conception robuste en fait la tablette la plus résistante sur le marché. Utilisée normalement, la tablette pliable Pratico remplira sa tâche sans problème pendant plusieurs années. Aucun assemblage n'est requis. En quelques secondes, vous insérez la tablette Pratico dans le casier et la déployez. Elle permet une utilisation et un rangement facile et sans contrainte des cartables et autres objets grâce aux surfaces lisses et sans imperfections. En plus de faciliter le rangement de nombreuses façons, la tablette Pratico peut aussi servir n'importe où. Au gym, au travail et même au bureau. La tablette Pratico est offerte en deux formats qui s'adaptent à la plupart des casiers existants. Elle est disponible en rouge et en bleu. À la fin des classes, il suffit de plier la tablette Pratico et de la remiser pour les vacances. Une fois les études de votre enfant terminées, si vous souhaitez vous en départir, elle aura même une valeur de revente, ce qui en fait la tablette amovible pour casier ayant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.